Voilà, amis téléspectateurs, chers amis, nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous accorde encore aujourd'hui. Nous sommes là dans le cadre de notre culte, comme vous le savez. Pendant tout ce moment de confinement, nous sommes à la maison. On nous dit chacun de rester chez soi, mais nous sommes là, nous, pour passer par cette page Facebook. Et arriver chez vous à la maison, partager avec vous la parole de Dieu. Nous sommes l'armée de l'Éternel depuis Brazzaville. Nous venons sur cette page uniquement avec la parole de Dieu, uniquement avec la prière, pour partager avec vous des bons moments de la parole de Dieu. Vous savez que pendant ces moments, nous ne pouvons pas, nous ici, recevoir les chrétiens, les croyants dans nos lieux de culte. Mais cela ne nous empêche pas de venir chez vous par le moyen de cette vidéo, de ce direct. Alors c'est pourquoi je voudrais demander à tous ces amis qui sont déjà connectés sur nous, que la paix du Seigneur soit avec vous, que la paix du Seigneur remplisse vos maisons. Merci d'être là, merci d'avoir attendu jusqu'à ces heures pour passer avec nous ces moments de partage de la parole de Dieu et ces moments également de culte. Que Dieu soit loué pour cela. Hier, nous avons démarré un enseignement qui est intitulé Les causes de l'incrédulité. Nous avons commencé ça hier, les causes de l'incrédulité. Mais nous n'avons pas pu finir le message hier tout simplement parce que il y avait un souci technique dès le démarrage de l'émission et cela ne nous a pas permis de finir la matière qu'on avait commencée hier. Mais voilà. Dieu soit loué. Aujourd'hui, nous sommes encore en face de vous. Nous voulons nous entretenir avec vous sur ce que nous avons commencé hier, sur les causes de l'incrédulité. Vous savez, avant de lire les textes aujourd'hui, j'aimerais déjà dire à quelqu'un que l'incrédulité, c'est le contraire de la foi. L'incrédulité, c'est le contraire de la foi. Je vous ai dit que la foi, c'est cette confiance que nous avons en Dieu pour adhérer à tout ce qu'il dit. Et à tout ce qu'il fait. Lorsqu'on a confiance en Dieu pour adhérer, n'est-ce pas, dans tout ce qu'il dit et dans tout ce qu'il fait, c'est cela la foi. Mais l'incrédulité, c'est le contraire de la foi. Voyez-vous? Donc, la foi et l'incrédulité, c'est comme deux vecteurs opposés. La foi ne marche pas avec l'incrédulité et vice-versa. Mais ici, notre sujet que nous voulons travailler depuis hier jusqu'à aujourd'hui est intitulé Les causes de l'incrédulité. Ou autrement dit, les choses qui provoquent la défaillance de la foi, des choses qui chassent la foi dans nos cœurs. Nous voulons apprendre, nous voulons voir, nous voulons connaître les choses qui chassent notre foi, les choses qui enlèvent la foi de nos cœurs. C'est comme ça que j'ai formulé mon intitulé en disant les causes de l'incrédulité. C'est-à-dire, nous voulons voir quelles sont les choses qui nous accompagnent chaque jour dans la vie et qui sont susceptibles de menacer notre foi et de chasser notre foi pour nous envoyer dans l'incrédulité. Déjà, hier, j'ai donné un passage dans Luc au chapitre 18, le verset 8. Le Seigneur Jésus est en train de dire quelque chose de très important dans Luc. On va lire ça. Luc chapitre 18. Gloire à Dieu. Luc chapitre 18, verset 8. La Bible dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Voyez-vous? Ça, c'est un passage très important. Et ce qui m'intéresse, c'est la partie B. La partie B de ce passage biblique. On dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? C'est dans Luc au chapitre 18, le verset 8. Ici, le Seigneur est en train de s'inquiéter. Voyez-vous, notre Dieu est en train de s'inquiéter. Il se pose des questions en disant, est-ce que lorsque je reviendrai sur la terre encore pour prendre mon église, est-ce que je trouverai encore la foi dans le cœur de ces gens-là? Voyez-vous, le Seigneur s'est
s'inquiète de ce que notre foi est en train d'être menacée du jour au jour. Le Seigneur se rend compte que c'est tout le jour que notre foi est menacée, que notre foi est combattue. Le Seigneur se rend compte que c'est tout le jour que la foi est en train de diminuer dans les cœurs des chrétiens et dans les cœurs de son peuple. C'est pourquoi dans Luc au chapitre 18, le verset 8, dans la partie B de ce verset biblique, le Seigneur dit « Mais quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il encore la foi ?» Donc, le Seigneur est conscient que plus nous sommes en train d'avancer ici sur la terre, plus nous sommes en train d'évoluer par rapport au temps, plus la foi de plusieurs est en train de diminuer. La foi de plusieurs est en train de succomber. C'est comme ça que le Seigneur s'inquiète. Il dit, est-ce que quand je reviendrai, je trouverai encore la foi? Donc Dieu ne veut pas que nous manquions la foi. Le Seigneur ne veut pas que la foi cesse dans nos cœurs. C'est comme ça qu'il s'inquiète. Il dit, est-ce que quand moi, le Fils de l'homme, je reviendrai sur la terre, est-ce que je trouverai encore la foi? Est-ce que je trouverai encore la foi? Donc, Dieu ne veut pas que la foi disparaisse de nos cœurs. Le Seigneur ne veut pas, le Fils de l'homme ne veut pas que la foi disparaisse de nos cœurs. Et vous savez, quand la foi disparaît dans ton cœur, c'est l'incrédulité qui va s'installer. C'est le contraire de la foi qui va s'installer. Alors, cette affaire ou cette histoire commence à inquiéter le Seigneur. Il dit, est-ce que quand je reviendrai, dans les années qui viendront, plus tard, quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi? Donc, Dieu ne veut pas que la foi disparaisse dans ton cœur. Dieu ne veut pas que la foi disparaisse parmi son peuple. Le Seigneur tient à ce que nous maintenions le cap de la foi. Le Seigneur veut à ce que nous restions toujours dans la foi. Parce que n'oubliez pas, la foi est une substance vitale pour toute personne qui veut marcher avec Dieu. J'ai dit que la foi est une substance vitale pour toute personne qui veut marcher avec Dieu. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit ça parce que la Bible nous dit que le juste vivra par la foi. Waouh! Le juste vivra par la foi. Alors, si nous voulons prendre ces contextes et les loger, qu'est-ce que j'ai dit? Si nous voulons prendre ces versets et les loger dans notre contexte, la Bible dit, le juste vivra par la foi. Donc, nous pouvons aussi dire dans ces contextes que le juste mourra par l'incrédulité. Voyez-vous? Donc, quand vous n'avez plus la foi, il n'y aura plus la vie en vous. Parce que l'incrédulité ne produit pas la vie. L'incrédulité produit la mort. Mais la foi produit la vie. C'est pourquoi la Bible dit que le juste vivra par la foi. Mais alors, nous devons comprendre ici, mes frères et sœurs, mesdames et messieurs, dans la chair. Autrement dit, qu'est-ce qui fait que beaucoup de ceux-là qui ont commencé dans la foi sont en train de finir aujourd'hui dans l'incrédulité? Moi, j'ai découvert un texte de la Bible et je voudrais depuis hier partager avec vous ce texte-là. C'est dans Marc au chapitre 9. Marc 9, je vais lire à partir du verset 14. Lisons Marc chapitre 9, le verset 14. Ce texte est très important parce que c'est dans ce texte-là que je veux faire ressortir les choses qui combattent la foi des gens, les choses qui combattent la foi des chrétiens. Je vais ressortir dans ces passages de Marc 9, 14 jusqu'en bas, je vais ressortir là-bas des choses qui sont à la base de l'incrédulité de plusieurs personnes. Mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes un observateur comme moi. Vous comprendrez que tous les détails que je vais donner dans ces messages sont des choses vraies qui sont à la base de l'incrédulité ou qui sont la cause de l'incrédulité. Marc chapitre 9, le verset 14. La Bible dit ceci. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour les saluer. Il leur demanda, « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et en quelques lieux qu'ils le saisissent, ils le jettent par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de les chasser, de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu le faire. Le verset 19, Jésus dit, race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-moi cet enfant-là. Et on le lui amène. Le verset 20 dit,
Et aussitôt quand l'enfant vit Jésus, l'esprit qui était dans l'enfant l'agita avec violence. L'enfant tomba par terre et s'est roulé en écumant. Jésus demanda au père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit le papa. Et souvent l'esprit l'a jeté dans l'eau, dans le feu, pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Frères et sœurs, je pense que nous avons ensemble suivi la lecture de ces passages. Nous sommes en train de voir une expression qui paraît comme agression. Une expression qui paraît comme une agressivité. C'est l'expression de Jésus à ses disciples. Lorsque ce monsieur-là est en train de dire à Jésus que j'ai amené mon enfant auprès de tes disciples, mais tes disciples n'ont pas pu chasser l'esprit qui rend mon enfant malade, c'est une expression qui paraît agressive. Voilà. Que le Seigneur va dire à ses disciples. Il dit race de lui. Le Seigneur est en train de traiter ses disciples d'une race de lui. C'est-à-dire que le Seigneur est en train de constater les disciples de ses disciples et en lieu et place de la foi, c'est maintenant l'incrédulité. Et le Seigneur est en train de vouloir faire constater à ses disciples que si vous avez échoué, si vous n'avez pas pu chasser ce démon dans le corps et dans la vie de cet enfant, c'est tout simplement parce que vous êtes incrédule. Vous avez l'incrédulité. Au lieu de la foi, vous avez l'incrédulité. Et notre message, n'oubliez pas, est intitulé « Les causes de l'incrédulité ». Déjà, frères et sœurs, je voudrais vous donner la première cause de l'incrédulité. Voyez-vous? Parce que quand il y a incrédulité, donc il y a absence de la foi. Quand il y a incrédulité, ça veut dire qu'il n'y a pas confiance en Dieu et il n'y a pas adhésion à la parole et aux actes que Dieu est en train de poser. Les gens qui n'ont pas la foi, ce sont des gens qui ont perdu la confiance en Dieu. Les gens qui n'ont pas la foi, ce sont des gens qui n'adhèrent plus à la parole de Dieu et aux actes de Dieu. Les gens qui n'ont pas la foi, bref, sont des incrédules. Et au lieu de la foi, ils ont l'incrédulité. Regardez, ici le Seigneur se rend compte que un papa lui amène un fils. Il dit, mon fils est malade et je l'ai amené à tes disciples, mais tes disciples n'ont pas pu le guérir. Alors, le monsieur va commencer à faire une procédure. Parce que lorsqu'on amène quelqu'un devant un médecin ou devant un homme de Dieu pour chercher la guérison, on doit donner l'historique de la maladie de la personne, du patient ou du malade. C'est comme ça que ce papa, n'est-ce pas, a commencé à expliquer à Jésus que voilà, mon enfant est malade depuis le bas âge. Sa maladie est due du fait qu'un esprit impur qui le rend muet l'envahit de temps en temps. Et quand l'esprit l'a envahi mon enfant tombe souvent dans l'eau, souvent dans le feu. Il devient comme raide, il tombe comme mort. Et plusieurs fois, il a risqué de perdre sa vie à cause de cette maladie provoquée par un esprit impur. Ce même discours que ce papa de l'enfant est en train de tenir devant Jésus pour que Jésus sache comment orienter sa prière, je vous ai dit, je vais vous dire alors, que c'est le même discours aussi que ce papa a tenu devant les disciples de Jésus. Parce qu'avant que le papa ne vienne devant Jésus, il est d'abord allé avec son enfant devant les disciples de Jésus. Parce que Jésus n'était pas présent physiquement avec ses disciples ce jour-là. Donc, comme le papa voulait la guérison de son fils, il a premièrement amené son fils auprès des disciples de Jésus. Et vous savez, le papa a fait le même discours qu'il a fait après devant Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le papa a amené son fils devant les disciples de Jésus, le papa a commencé à expliquer aux hommes de Dieu, aux disciples de Jésus, que voilà, je vous amène un enfant qui est lunatique. Dans d'autres versions, on dit, il est épileptique. Son épilepsie est due du fait qu'un esprit impur qui les rend muets l'envahit souvent. Et quand cet esprit-là prend possession du corps de cet enfant, l'enfant tombe comme mort. Il devient tout raide. Et le papa s'est mis à expliquer aux disciples de Jésus comment l'enfant a commencé à développer la maladie depuis le bas âge. Et comment cette maladie est incitée par un esprit méchant qui tient à ce que l'enfant périsse. Et le papa a dit aux disciples de Jésus,
combien de temps l'enfant est resté malade. Et enfin, le papa a dit aux disciples de Jésus, « Je vous amène mon enfant pour qu'il soit guéri. » Mais déjà, le discours que le papa a tenu devant les disciples de Jésus était un discours qui vantait la gravité de la maladie de l'enfant. Et ça, là, c'était très dangereux pour les disciples de Jésus. Quand ce papa disait aux disciples que mon enfant est malade depuis telle année, mon enfant est malade depuis le bas âge, mon enfant tombe souvent comme un mort, souvent il tombe dans l'eau, souvent il tombe dans le feu. Quand le papa donnait toutes ces versions de faits aux disciples de Jésus, le papa croyait informer correctement les disciples sur l'historique de la maladie de son enfant. Mais le papa ne savait pas que son discours venait fracasser, venait cabosser, venait détruire la foi des disciples de Jésus. Ça veut dire, quand ce papa parlait de la maladie de son enfant qui a commencé au jeune âge, les disciples commençaient à avoir peur de ces démons qui provoquaient cette maladie. Les disciples commençaient à voir déjà dans les propos de ce papa la grandeur de cette maladie, la gravité de cette maladie. C'est comme ça que quand les disciples ont vu que la maladie était aussi grave et que l'esprit qui dérangeait l'enfant était aussi grand, les disciples ont perdu la foi. Et du coup, quand les disciples ont perdu la foi, donc, ils n'ont pas pu avoir la possibilité spirituelle de déloger ces démons, cet esprit qui provoquait la maladie dans le corps de cet enfant. Et là, je voudrais vous dire que la première cause de l'incrédulité dans la vie de plusieurs personnes, c'est quand vous vous mettez à regarder la gravité de votre situation, la gravité de votre problème. Vous savez, beaucoup de gens échouent dans la foi et n'arrivent pas à surmonter leurs épreuves, tout simplement parce qu'ils se mettent à contempler, waouh, à regarder, à admirer la grandeur de leurs problèmes, la grandeur de leur maladie et la grandeur de leur situation. Et vous savez, beaucoup de gens qui regardent la grandeur de leurs problèmes oublient automatiquement la grandeur de Dieu. Et c'est là où il y a le problème. Quand on commence à beaucoup regarder, on commence à beaucoup faire attention à la grandeur de ton problème, à la grandeur de ta situation. Tu oublieras la grandeur de Dieu. Et quand tu oublies la grandeur de Dieu, c'est ta foi qui va faillir. Et quand la foi faillit, c'est fini. Tu ne seras plus fort, mais tu seras vaincu par la situation ou par le problème qui t'affronte. C'est comme ça que j'ai dit aux gens qui me suivent, je m'adresse à vous qui me suivez. La première cause de votre incrédulité, c'est parce que vous regardez plus à la gravité de vos problèmes, à la grandeur de vos situations, au lieu de regarder à la grandeur de Dieu. Frères et sœurs, tournons nos regards vers Dieu, contemplons sa gloire. Contemplons la gloire de Dieu, contemplons la grandeur de Dieu. Arrêtons de contempler la grandeur et la gravité de nos problèmes, parce que notre Dieu est plus grand que nos problèmes. La Bible dit ceci, écoutez-moi très bien, je voudrais vous faire comprendre un peu la grandeur de Dieu. La Bible dit ceci, que dans le ciel, sur la terre, ainsi que sous la terre, un seul nom nous a été donné devant lequel tout genou fléchira. C'est le nom de qui? C'est le nom de Jésus. Donc, si le nom de Jésus est élevé dans le ciel, sur la terre et sous la terre, ça veut dire que le nom de Jésus est plus grand. Jésus est plus grand que toute situation, que tout problème qui peut arriver. En tout cas, tu n'auras jamais la possibilité de vaincre ta situation si tu te mettais à regarder la grandeur de cette situation et la gravité de cette situation. Si les disciples de Jésus n'ont pas pu vaincre la maladie de cet enfant qu'on leur a amené, c'est tout simplement parce que ces disciples-là se sont mis à regarder la grandeur et la gravité de cette maladie que l'enfant souffrait.
Voyez-vous, quand le papa disait que l'enfant est malade depuis le bas âge, quand le papa disait que la maladie de mon enfant est provoquée par un démon méchant, ça faisait peur aux disciples. Ils disaient, attendez, mais c'est un démon qui a la grandeur, c'est une maladie qui est grave. Et quand ils se mettaient à regarder la grandeur de cet esprit méchant et la gravité de la maladie provoquée par cet esprit méchant, du coup, les disciples de Jésus commençaient à perdre de vue la grandeur et les possibilités illimitées de Dieu. Frères et sœurs, vous n'avez pas n'importe quel Dieu. Le Dieu que vous avez est un Dieu aux possibilités illimitées. Le Dieu que vous avez est un Dieu le plus grand. On l'appelle le Tout-Puissant. Attends, je vais répéter. Notre Dieu est le Tout-Puissant. Ce n'est pas un Dieu puissant, non. Notre Dieu n'est pas puissant, non. Il est le Tout-Puissant. Ça veut dire la puissance de notre Dieu est élevée au-dessus de toute autre puissance qui peut exister. Et ça, vous ne devez jamais perdre ça de vue. C'était ça la force de David lorsque David était devant sa situation. Vous savez que la situation de David, c'était Goliath. Lorsque David était devant Goliath, Goliath était grand de taille. Il avait une hauteur de plus de 3 mètres. La largeur de ses épaules était environ de plus de 1 mètre. C'était un géant. Et non seulement Goliath était grand apparemment, mais quand vous lisez l'historique de Goliath, quand vous lisez le CV de Goliath, vous verrez que c'est un champion, c'est un homme de guerre depuis le bas âge, c'est une machine à démolition. Et c'est ce Goliath-là qui est grand apparemment, qui va s'élever devant David et pour dire à David, aujourd'hui je vais te terrasser. Mais les propos de Goliath, excusez-moi, les propos de Goliath, la taille de Goliath, la carrure de Goliath n'a pas fait peur à David. Pourquoi? Parce que David n'avait pas en vue la grandeur de Goliath, son ennemi. David n'avait pas en vue la gravité de Goliath, son ennemi. Mais David a gardé en vue la grandeur de son Dieu. Écoutez comment cet homme de foi, David, est en train de parler. C'est comme qu'il n'a jamais perdu même une fois la grandeur de son Dieu dans sa vision. Lorsque Goliath, avec sa grandeur apparente, avec sa gravité apparente, menaçait David, disait à David, aujourd'hui tu mourras, je vais te tuer. David a répondu à Goliath, le Dieu qui m'a secouru du lion dans la forêt. Excusez-moi, le Dieu qui m'a secouru du lion, le Dieu qui m'a secouru de l'ours dans la forêt, c'est le même Dieu qui va me secourir devant toi, Goliath. Ça veut dire que David n'a en aucun cas perdu de vue la grandeur de ce Dieu-là qui lui a donné la victoire dans la forêt devant le lion et devant l'ours. Et quand il se retrouvera maintenant devant Goliath, David a dit non, mais attendez, je ne vois pas Goliath, je ne vois pas sa grandeur, je ne vois pas sa gravité, je ne vois pas sa taille, mais je me rappelle de la grandeur de ce Dieu qui m'a délivré des pattes de lion et de l'ours. Voyez-vous? Et c'est ça la clé de la foi et la clé de la victoire. Ne craignez pas vos adversaires. Ne regardez pas la grandeur de la situation qui t'attaque. Ne regarde pas la grandeur du problème qui se lève devant toi. Toi, commence seulement à regarder la grandeur de ce Dieu en qui toi tu as cru. Frère, tu n'as pas cru à n'importe quel Dieu. Tu as cru à un Dieu aux possibilités illimitées. Hier, j'ai dit ici que le Dieu que nous prions, c'est celui qui a déchiré la mer rouge. Il a fendu la mer rouge en deux. De l'autre côté, il y a de l'eau qui s'est arrêtée. De l'autre côté aussi, il y a de l'eau qui s'est arrêtée. Il a fendu en deux la mer rouge. Notre Dieu que nous prions, c'est celui qui a tué tous les premiers nés en Égypte depuis la mer, autant être enfoncé sous l'eau. Voyez-vous, le Dieu que toi tu pries, c'est le Dieu qui est mort et qui est resté dans le tombeau 3 jours. Mais le troisième jour, la mort n'a pas pu le bloquer. Il est sorti de la mort, il est sorti du tombeau. Il a dit, j'ai vaincu la mort et j'ai vaincu le monde. Frère, tu n'as pas n'importe quel Dieu. Regardez la gravité de ta situation. Commence dès aujourd'hui à regarder la grandeur de Dieu. Ton Dieu est tellement grand. Ton Dieu est tellement grand. Il est le Tout-Puissant.
Voyez-vous? Donc ça, c'est la première cause de l'incrédulité de plusieurs personnes. Beaucoup de gens deviennent incrédules. Pourquoi? Parce qu'ils regardent plus à la grandeur de leurs problèmes, à la grandeur de leur maladie, à la grandeur de leur situation, et ils oublient que leur Dieu est plus grand que la maladie, Dieu est plus grand que le problème, Dieu est plus grand que la situation. Je vais dire à quelqu'un, Jésus a mis sous ses pieds tout problème et toute situation qui peut arriver. Écoutez comment la Bible parle. Oh, ça, j'aime ça. La Bible dit ceci. Dans Genèse, c'est Dieu qui est en train de parler. Il est en train de parler au serpent. Il dit, toi, serpent, la femme t'écrasera la tête et toi, tu lui mordras au talon. Voyez-vous? Ça, c'est ta parole. Elle est pour toi. Reçois cette parole. On dit à le Seigneur, l'Éternel est en train de dire au serpent, il dit, toi, serpent, parce que le serpent, c'est le diable, les dragons anciens, le serpent, c'est le diable. Alors, le Seigneur, l'Éternel, Dieu est en train de dire au diable, le serpent, il dit, toi, serpent, la femme t'écrasera la tête et tout ce que toi, tu pourras faire contre la femme, c'est que tu vas seulement lui mordre les talons. Mais le serpent, c'est le diable, c'est Lucifer. Mais la femme, c'est qui? La femme, c'est toi et moi, parce que nous sommes la femme de Jésus. Nous, les chrétiens, nous, l'Église, nous sommes la femme de Jésus. Et cette prophétie, cette parole est pour nous la femme de Jésus. C'est nous, l'épouse de Christ. L'Éternel nous dit, femme, tu écraseras la tête du serpent. Voyez-vous? C'est comme ça qu'à la croix, Jésus a écrasé la tête du serpent pour nous, sa femme. Donc, si le serpent est écrasé à la tête, ça dit que le serpent n'est plus vivant. Bon, un serpent qu'on a écrasé la tête peut bouger sa queue là-bas derrière, mais sa queue ne pourra nous rien faire. Qu'est-ce que la queue d'un serpent dont la tête est écrasée peut faire contre toi? On ne doit pas continuer à craindre un serpent dont la tête a été écrasée. Oh, alléluia! Gloire à Jésus! Nous sommes la femme de Jésus. Nous sommes l'épouse. Nous avons vaincu le diable. Sa tête a été écrasée. Et si sa tête est écrasée, donc il n'est plus vivant. Il peut bouger sa queue. L'inertie de ses muscles peut encore le permettre de bouger. Mais nous savons qu'il ne va plus mordre. Il ne va plus rien faire parce que sa tête est écrasée. Et la Bible nous dit, la femme écrasera la tête du serpent. Donc toi, l'Église qui est la femme de Jésus, tu écraseras la tête de Satan, la tête de Lucifer. Donc, comment peux-tu continuer à regarder la grandeur d'un cadavre? Un cadavre n'a plus de grandeur. Tu sais, un cadavre, même si c'est le cadavre d'un roi, ça n'a plus de grandeur. Un cadavre, même si c'est le cadavre d'un empereur, ça n'a plus de grandeur. Un cadavre, même si c'est le cadavre d'un ministre d'État, ça n'a plus de grandeur. Voyez-vous? Donc, le diable n'a plus de grandeur devant nous, l'Église, devant nous, les chrétiens. Pourquoi? Parce que le diable est un cadavre dont la tête a été écrasée. Mesdames et messieurs, suivez cette annonce nécrologique. Suivez ces communiqués nécrologiques. Je vous informe, mesdames et messieurs, que depuis 2000 ans, à la croix de Golgotha, le diable, le serpent ancien, a connu la mort par écrasement de la tête. Vous voyez, c'est un communiqué nécrologique qui date de 2000 ans passés. Donc, toutes les formes que ces cadavres peuvent prendre aujourd'hui, ces cadavres n'ont plus de grandeur. Vous savez, quand quelqu'un meurt, quelle que soit la forme dont on peut donner à ses obsèques, il n'est plus grand. Un cadavre n'est plus grand. Comprenez-moi très bien. Lorsqu'un homme meurt, même s'il était chef, ministre, directeur, je ne sais pas moi, riche, homme d'affaires, quand il meurt, son cadavre n'a plus de valeur. On peut tout faire comme cérémonie. On peut faire des formulations des obsèques. On peut attraper un cercueil compliqué. Mais ce n'est qu'un cadavre. Un cadavre n'a pas de grandeur. Un cadavre n'a pas de gravité. Et d'ailleurs, comme preuve, lorsqu'on dépose un cadavre au cimetière, tout le monde répare, il reste seul. C'est pour dire qu'un cadavre n'a pas de grandeur, n'a pas de gravité. Même s'il était un homme riche quand il vivait,
à partir du moment qu'il devient cadavre, il n'a plus de grandeur, il n'a plus de gravité. Et je vous informe que le diable est un cadavre. Un cadavre dont la tête a été écrasée par nous, la femme, nous, l'église, nous, les chrétiens. Donc, on ne doit plus avoir peur de la grandeur du diable. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, n'ayez pas peur de la grandeur de ta situation, la grandeur de ta maladie, la grandeur de ton problème. Le diable utilise les apparences grandieuses pour te paniquer, pour te faire peur. Parce qu'il sait que lorsque tu commences à regarder sa grandeur, tu oublieras la grandeur de Dieu et du coup, tu auras peur. Et la foi va te quitter, l'incrédulité va remplacer. Et vous savez avec moi que lorsque la foi part, c'est la victoire qui est partie. Et quand l'incrédulité s'installe, c'est l'échec qui vient s'installer en toi. La première cause de l'incrédulité de beaucoup de chrétiens, c'est parce qu'ils veulent regarder la grandeur de leur problème. Je ne connais pas le nom de ton problème. Je ne connais pas le nom de ton problème. Mais si tu peux me citer le nom de ton problème ou le nom de ta situation, moi je te citerai un nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Et c'est le nom de Jésus. La Bible dit que le nom de Jésus est élevé au-dessus de tous les noms. La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul nom qui a été donné à l'homme, afin qu'à ce nom-là, tous genoux fléchissent. Donc, ton problème peut s'appeler sida, ça peut s'appeler cancer, ton problème peut s'appeler stérilité, ton problème peut s'appeler je ne sais pas moi quoi. Je sais que le nom de ta situation, le nom de ton problème n'est pas plus grand que le nom de Jésus. Alors, toi tu dois faire comme David. David ne regardait pas la grandeur du nom de Goliath. David ne regardait pas la grandeur du physique de Goliath. Et qu'est-ce que David faisait? David regardait la grandeur de ces dieux-là qu'il a secouru devant le lion et devant l'ours quand il était dans la forêt. Ça, c'est la première cause de l'incrédulité. Retenez ça très bien. La deuxième cause qui provoque l'incrédulité dans les cœurs des chrétiens et des enfants de Dieu, c'est non seulement la grandeur de leurs problèmes ou de leur situation, mais c'est la durée de leurs problèmes. Vous savez, quand ton problème dure longtemps, tu auras comme l'impression que Dieu n'existe plus ou Dieu n'agit plus. Regardez très bien dans la Bible. Tous ceux-là qui ont connu des problèmes, qui ont perduré, plus le problème s'est prolongé, plus ils perdaient la foi. Il faut faire attention. Il faut faire très attention. La courbe de la foi, qui est en fonction du temps, arrive toujours à chuter lorsque le temps passe. Plus on avance dans le temps, plus la foi a tendance à chuter. C'est comme ça que j'ai dit à quelqu'un, la durée de ton problème, la durée de ton problème peut provoquer une incrédulité dans ton cœur. Bon, maintenant que je suis en train de parler, je ne sais pas, tu as quel problème et ton problème a duré combien de temps dans ta vie. Voyez-vous? Parce qu'il ne faut pas oublier, il ne faut pas oublier, mesdames et messieurs, que c'est nous les hommes qui sommes effrayés par rapport au temps. Mais notre Dieu n'est pas effrayé par rapport au temps. Le temps n'effraie pas Dieu. Le temps ne fait pas peur à Dieu. C'est nous qui avons peur lorsque le temps passe. Mais le temps ne fait pas peur à Dieu. Pourquoi? Premièrement, parce que la Bible dit que Dieu est le maître du temps et des circonstances. Quand Dieu est le maître du temps, ça veut dire qu'il est maître sur le temps. Il peut faire du temps ce que lui veut. Et puis n'oublie pas, si Dieu est le maître du temps, la Bible dit encore que pour Dieu, 1000 ans c'est comme un jour et un jour c'est comme 1000 ans. Donc, par rapport au temps, Dieu est à l'aise. Quand toi, tu deviens mal à l'aise parce que le temps passe, ta guérison ne vient pas. Tu deviens mal à l'aise parce que le temps passe, tu n'arrives pas à concevoir pour accoucher. Le temps passe, tu deviens mal à l'aise, tu n'arrives pas à attraper un boulot. Tu deviens mal à l'aise parce que le temps passe, tu as atteint un âge avancé sans emploi, sans logement, sans accouchement, sans quoi que ce soit.
Quand le temps te fait peur, quand le temps te panique, quand le temps t'agite, Dieu n'est pas effrayé, même pas un peu par rapport au temps, parce que Dieu règne sur le temps. Pour Dieu, un jour c'est comme 1000 ans, et 1000 ans c'est comme un jour. Et beaucoup de gens arrivent à perdre la foi comme ça, tout simplement parce que sa situation a tellement pris du temps, sa situation s'est tellement prolongée, il s'est dit non, Dieu ne me connaît pas, Dieu ne m'aime pas. C'est comme ça que Gédéon était en train de parler. Gédéon était embêté par le temps, il était effrayé par le temps. Lorsque l'ange est apparu à Gédéon sous le térébet d'Orpha, l'ange est apparu à Gédéon sous le térébet d'Orpha, l'ange a trouvé Gédéon en train de battre le froment au pressoir. L'ange a dit à Gédéon, Gédéon, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Gédéon dit non, moi vaillant héros, si j'étais un vaillant héros, pourquoi toutes ces peines dans ma famille? Parce que ma famille est la plus petite à Manassé. Et Manassé elle-même, c'est la plus petite tribu, une tribu sans pondération. Et moi-même dans ma famille, je suis le plus petit. Et si Dieu m'aimait, si Dieu nous aimait, si Dieu était avec nous, pourquoi nos souffrances sont-elles continuelles? Pourquoi nous continuons à vivre ce que nous vivons face aux Madianites? C'est-à-dire que Gédéon s'est rendu compte maintenant que la foi dans son cœur n'existait plus. Il avait comme l'impression que Dieu ne les connaît pas. Dieu ne pouvait pas gérer leur situation. Il dit, où est passé ce Dieu-là? Ça c'est Gédéon qui parle. Il dit, où est passé ce Dieu dont nos pères nous ont dit, nous ont parlé, qui les a pris de l'Égypte et les a sortis de l'Égypte? Pourquoi aujourd'hui on ne voit pas ces dieux-là? Gédéon commence à délirer. Il commence à déprimer. Quand quelqu'un déprime et délire, c'est des preuves que la personne n'a plus la foi dans son cœur. Ça veut dire, il se pose des questions. Où est Dieu? Où est passé Dieu? Où sont passés tous les témoignages qu'on a entendus parler de Dieu? Tout ça pourquoi? Parce que les temps de la souffrance pour Gédéon et pour les enfants d'Israël avait tellement duré. Mais Gédéon avait oublié que Dieu est le maître des temps. Dieu règne sur les temps. C'est comme ça aussi qu'un homme qui était malade sur la piscine de Bethesda va rencontrer Jésus. Jésus lui pose la question, messieurs, veux-tu être guéri? Il dit, mais je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Et même quand je vais moi-même rapidement pour tomber dans l'eau, je n'ai personne pour me soulever et me jeter les premiers dans l'eau parce que je n'ai pas de pieds. Ça veut dire que ce monsieur, il n'avait plus de soi, il ne croyait plus. Pourquoi? Parce qu'il a fait dans sa maladie 38 ans. Ce monsieur était le plus ancien à la piscine de Bethesda. Cet homme était l'ancien des anciens à Bethesda. Il est venu avant. Et les autres sont venus après lui. Mais il a vu tous ceux qui sont venus après lui être guéris pendant que lui, sa situation ne changeait pas. Sa maladie a tellement duré que ce monsieur a perdu la foi en ce Dieu-là qui guérissait à Bethesda. C'est comme ça que le monsieur va se fâcher, il va se résigner, il va prendre son lit et va rester là-bas au fond. Il dit, bon, je ne resterai plus autour de la piscine parce que je suis quand même resté longtemps autour de l'eau. Je n'ai jamais été guéri, je préfère me retirer et aller là-bas. Désespéré, abattu, il va rester plus loin. Et c'est là-bas au loin que le Seigneur l'a aperçu. Le Seigneur Jésus lui pose la question, messieurs, veux-tu être guéri de ta maladie? Il dit, non, ne me parle pas de guérison parce que moi, je n'ai personne. Les gens qui n'ont plus la foi, c'est comme ça. Jésus reprit la parole, il pose la question à cet homme, veux-tu réellement être guéri de ta maladie? En fait, le monsieur ne pouvait plus croire facilement parce qu'il avait fait 38 ans à la piscine de Bethesda sans pour autant être soulagé de sa maladie. Pendant que tu m'entends là, tu as perdu d'espoir parce que ta situation ne s'améliore pas, ta situation ne change pas. Là où tu m'entends, là, tu dis, bon, les pasteurs sont comme ça. Ils parlent toujours comme ça, ils crient beaucoup là. Mais ça fait longtemps que j'ai pris, ma maladie n'est jamais guérie.
Ça fait longtemps que je crois en Dieu, ma stérilité n'est jamais partie. Ça fait longtemps que je prie le Seigneur, mais ma situation ne s'améliore pas. Plus ta situation se prolonge, plus tu commences à perdre la foi. Mais aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un, tiens bon, nous vaincrons. Sois fort, ne quitte pas la foi, n'abandonne pas la foi, reste dans la foi parce que la foi paye. Tôt ou tard, la foi va payer. Je dis à quelqu'un, la foi payera. Tôt ou tard, la foi doit payer. Pourquoi je dis ça? Parce que Job est en train de faire une déclaration. Il dit, je reconnais que mon Rédempteur est vivant. Et il se levera le dernier et agira en ma faveur. Attends, on va analyser cette déclaration de Job. Il dit, je reconnais que mon Rédempteur est vivant et il se levera le dernier. Job n'a pas dit que mon Rédempteur se levera le premier. Parce que Job sait que même si son Dieu ne se levait pas le premier, son Dieu peut se lever le dernier. Frère, notre Dieu s'appelle Alpha et Oméga. Alpha veut dire commencement, Oméga veut dire la fin. Il est le commencement et la fin. Attends, si tu ne vois pas la main de Dieu au commencement de ta maladie, mais ce n'est pas une raison pour toi de craquer dans la foi et d'abandonner la prière. Si ton Dieu n'a pas fait au début de ta situation, continue à croire qu'il peut faire à la fin. Bien-aimé, moi je crois toujours qu'il y a un miracle tardif qui existe. Moi j'appelle ça le miracle tardif. Ce monsieur a fait 38 ans à Bethesda. Il est venu le premier, mais tous ceux qui sont venus après lui ont été guéris avant lui. Mais qu'est-ce que Dieu va faire pour lui? Il sera guéri à son tour, à la 38e année. Et regarde comment Dieu l'a guéri. Dieu ne l'a pas guéri comme les autres. Si les autres étaient guéris en plongeant dans l'eau, cet homme n'a pas été guéri en plongeant dans l'eau. Il a reçu un miracle différent des miracles des autres. Waouh! Cet homme n'avait pas besoin de tremper son maillot. Il n'avait pas besoin de mouiller ses vêtements pour guérir. Il a été guéri par le même Dieu, mais différemment des autres. Et c'est ce qui va t'arriver. Toi qui crois que c'est trop tard, toi qui crois que l'heure est passée, le temps est passé, toi qui crois que Dieu t'a oublié, toi qui crois que ça ne vaut plus la peine de croire et de prier, je te dis, ne quitte pas ton poste, reste à ton poste, continue à croire, espère en l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. Espère en l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. S'il n'a pas agi au commencement de ton problème, continue à croire qu'il peut agir bientôt vers la fin. Parce qu'il est le commencement et la fin. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Cet homme qui était malade, 38 ans à Bethesda, vient de recevoir sa guérison de manière miraculeuse. Et sa guérison avait un témoignage particulier. My God, je suis en train de dire à quelqu'un, ton problème est en train de durer parce que Dieu te prépare un témoignage différent des témoignages des autres. Waouh, écoute-moi très bien. Ta stérilité, ta maladie est en train de continuer à durer comme ça parce que Dieu veut te guérir autrement que les autres. Waouh! Le Seigneur est en train de préparer un témoignage qui sera différent par rapport au témoignage des autres. Voyez-vous, ce n'est pas que Dieu t'a oublié, ce n'est pas que le temps est passé, non. Dieu est en train de préparer quelque chose qui va frapper fort pour toi. Dieu est en train de préparer quelque chose qui va donner fort, qui va bien taper pour toi. Regardez, ceux qui sont guéris avant cet homme de 38 ans ont été guéris en plongeant dans l'eau avec des costumes mouillés, des chemises mouillées, des robes mouillées. Mais regarde, cet homme de 38 ans va recevoir la guérison sans pour autant mouiller ses vêtements. Les autres ont été guéris dans la piscine de l'eau, mais lui a été guéri par la parole. En fait, pour cet homme qui a fait 38 ans à Bethesda, le Seigneur a compris que cet homme a usé de beaucoup de patience. J'exhorte quelqu'un d'user de beaucoup de patience, parce que la foi, c'est aussi la patience. Tu ne peux pas dire que tu as la foi si tu n'as pas la patience. Cet homme de 38 ans à Bethesda a usé de patience.
bien qu'il n'était pas guéri, mais il n'a pas quitté Bethesda. Il s'est retiré quand même. Il est allé dormir au fond, mais il n'a jamais quitté Bethesda. C'est le message que je veux t'apporter. Il ne faut jamais quitter la prière. Il ne faut jamais quitter ton Dieu. Il ne faut jamais quitter la parole de Dieu. Tu dois user de patience parce que la foi, c'est aussi la patience. Quand on a la foi, on doit aussi avoir la patience. Attendre le temps de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu fait chaque chose bon en son temps. Dieu fait chaque chose bon en son temps. Pas en ton temps, pas en mon temps. Je peux vouloir d'une chose, tu peux vouloir d'une chose, mais Dieu ne le fera pas en ton temps ou en mon temps. Dieu fait chaque chose bon en son temps. En fait, la chose sera très bonne parce que Dieu l'aura fait en son temps. Pourquoi? Parce qu'il est le maître des temps et le maître des circonstances. Cet homme a usé de patience. Et quand le Seigneur a vu sa patience, le Seigneur a compris que cet homme n'a pas perdu la foi. C'est vrai qu'il était un peu découragé, mais il n'a pas perdu la foi. C'est comme ça que quand le Seigneur voulait guérir cet homme, le Seigneur a préféré le guérir autrement que tout le monde. Tu vas vivre la main de Dieu autrement que tout le monde. Sois un peu patient, s'il te plaît. Ne quitte pas la foi, ne quitte pas la prière, ne quitte pas la parole de Dieu. Dieu va opérer un miracle pour toi autrement que les autres, autrement par rapport aux autres. Vous savez ce que cet homme a vécu? Pour les autres malades, tous devaient être guéris dans le bassin de la piscine. Mais pour cet homme, la substance qui guérissait dans le bassin de la piscine. Waouh! Pour cet homme, le Jésus, le Dieu qui guérissait dans le bassin de la piscine est sorti de l'eau. Ce Dieu-là a pris les pieds, a pris les bras, les mains, la tête, la bouche. Voyez-vous? Le Dieu qui attendait tous les malades dans l'eau de la piscine, ce Dieu-là est sorti de cette eau de la piscine et ce Dieu-là a pris le corps. Et ce Dieu-là a commencé à marcher jusqu'à aller suivre cet homme là où il était couché là-bas au fond pour lui dire, monsieur, veux-tu être guéri? Le monsieur a tellement tergiversé et à la fin il dit, oui, je vais être guéri. Et quand il a dit, oui, je vais être guéri, le Seigneur lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. C'est la seule personne qui est guérie à Bethesda sans tomber dans l'eau, sans passer par l'eau. Et c'est la seule personne qui est guéri à Bethesda sans pour autant aller vers Dieu. C'est Dieu qui est sorti de la piscine pour venir vers lui. Ça, c'est la bonne nouvelle pour toi. À partir de maintenant, pendant que tu m'entends, si les autres ont reçu leur solution en allant vers Dieu, toi, Dieu va quitter son trône et il viendra vers toi pour te donner ce que tu es en train de chercher, ce que tu es en train d'attendre. Alors, ne regardez plus le temps. Parce que quand on regarde beaucoup au temps, on va croire que Dieu n'agit pas. Dieu n'aime pas. Dieu ne m'aime pas. Dieu n'agit pas pour moi. Dieu ne fait rien. La deuxième cause de l'incrédulité, c'est ça. C'est regarder la durée de ton problème. Quand on voit la longueur du temps que ton problème a pris, que ton problème a fait, c'est là où ta foi commencera à faire naufrage. Et ce qu'il faut retenir ici dans la deuxième cause, la meilleure façon de s'opposer à la longueur de temps, c'est d'user de patience. Soyez patient envers Dieu. Soyez patient. Attendez la main de Dieu avec patience. La Bible dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu et au moment convenable, lui-même vous élèvera. Oh, j'aime ça. On dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu et au moment convenable, lui-même vous élèvera. C'est-à-dire que Dieu a son temps, Dieu a son moment convenable pour toi. Et quand on est trop pressé, on risque de chuter dans la foi, n'est-ce pas? Et de rentrer dans l'incrédulité. Ne regarde pas la grandeur de ton problème, ça va te pousser à ne plus croire. Ne regarde pas la gravité de ta situation, ça va te pousser à ne plus croire. Et ne regarde pas le nombre des années que ton problème a fait. Cet homme est resté malade 38 ans.
Mais à la 38e année, Dieu l'a guéri. Vous voyez? Donc, si les 38 ans peuvent te faire peur, devant Dieu, 38 ans ne veut rien dire. Si ces 38 ans-là dérangeaient cet homme qui était malade à Bethesda, mais pour Dieu, 38 ans, c'est quoi? C'est rien. Vous voyez? Ta situation peut durer, mais comme ta situation a commencé un jour, crois qu'elle finira aussi un jour. Ta maladie peut durer, mais comme ta maladie a commencé un jour, crois qu'elle finira aussi un jour. Frères et sœurs, tout ce qui a un début aura une fin. Waouh! Il n'y a rien qui est éternel sous le soleil, sauf Jésus. Il n'y a que Jésus qui est éternel, notre Dieu. Il n'a ni début, ni commencement, ni fin. Il n'y a que Jésus qui n'a ni commencement, ni fin. Mais tout ce qui reste dans la vie, maladie, problème, difficulté, épreuve, tentation, tout ce qui reste dans la vie a un commencement et a aussi une fin. Alors, si toi tu es face à un problème, tu es face à une situation, ou face à une maladie, ou face à un problème à la justice qui a longtemps duré, tu dois commencer à te dire que même si mon problème dure, il finira un jour. Même si ma situation dure, elle finira un jour. Même si mes épreuves durent longtemps, mes épreuves finiront un jour. Voyez-vous, il n'y a aucune épreuve qui est éternelle. Il n'y a aucun problème qui est éternel. Il n'y aura aucune situation qui restera éternelle. Il faut même commencer à dire à ceux qui se moquent de toi. Dites-leur, vous vous moquez de moi, gloire à Dieu, mais sachez qu'un jour, ma situation finira. Vous vous moquez de moi, gloire à Dieu, mais sachez qu'un jour, mon problème passera. Parce que tout ce qui a commencé finira. Tout ce qui a un début aura une fin. Et retenez ce message pour vous. Arrêtez de regarder à la grandeur de vos problèmes et de vos situations. Arrêtez aussi de regarder à la durée de vos problèmes et à la durée de vos situations. Et la troisième cause qui provoque l'incrédulité dans les vies des gens, la troisième cause qui pousse aux gens d'abandonner la foi pour aller se retrouver dans l'incrédulité, c'est ce que je vais dire le jeudi. Le jeudi, ne manquez pas, je vous donnerai la troisième cause et la quatrième cause qui provoque l'incrédulité dans les cœurs des enfants de Dieu, dans les cœurs de ceux qui aiment Dieu. Je suis arrivé à la fin aujourd'hui. Je voudrais prier pour tous les amis qui m'ont suivi. Vous étiez nombreux. Je vous vois, vous étiez très nombreux en train de nous suivre. Nous vous disons merci. Mais ma prière maintenant, c'est pour que Dieu vous augmente la foi. Bien-aimés, souvent les gens demandent à Dieu, « Seigneur, augmente mon argent, donne-moi l'argent, augmente ma richesse. » C'est pas mauvais, mais il y a mieux que l'argent. Il y a des gens qui prennent des temps et des temps pour demander à Dieu d'augmenter leur richesse. C'est pas mauvais, mais il y a mieux que la richesse. Je l'ai compris parce que quand Dieu dit à Salomon, « Salomon, demande-moi, Salomon, demande-moi ce que tu voudras, je le ferai. » Au lieu que Salomon demande à Dieu l'augmentation de sa richesse, Salomon dit, « Seigneur, augmente ma sagesse et augmente mon intelligence. » Donc Salomon a compris que la sagesse, l'intelligence, la foi, la besoin de la richesse, nous avons besoin de l'argent, mais il y a mieux que la richesse, il y a mieux que l'argent. Lorsque ta foi augmentera, tu plairas à Dieu. Et quand tu plairas à Dieu, Dieu ne te refusera plus rien. Parce que rappelez-vous, au commencement de ces messages, nous dites, où le Seigneur est en train de s'inquiéter. Il dit, est-ce que quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Donc là, nous devons comprendre que de temps en temps, nous devons réactualiser notre foi. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, il faut mettre à jour sa foi. De temps en temps,
il faut remettre à jour sa foi. Et la prière que je vais faire maintenant, c'est la prière de mise à jour de la foi. Dans ton téléphone, tu as des applications que tu mets à jour chaque semaine, chaque mois. Mais dans ton cœur, il y a la foi que tu n'as pas mise à jour. Je veux aujourd'hui que tu mettes à jour ta foi pour que si le Seigneur revenait aujourd'hui ou demain matin, qu'il te trouve encore dans la foi. Parce que l'inquiétude de Jésus, il se pose des questions. Est-ce que quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi sur la terre? Mais pour que le Seigneur, le Fils de l'homme, trouve encore la foi en nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écouter la parole de Dieu parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut prier pour que Dieu augmente notre foi, que notre foi soit remise à jour afin que nous soyons capables de ne pas tomber dans l'incrédulité. Car l'incrédulité produit la mort, mais par la foi, le juste vivra. Étends ta main vers moi. Je veux que tu dresses la main vers moi. Je vais prier pour ta foi. Ta foi a beaucoup de problèmes. Ta foi actuellement est envahie par des soucis de la vie. Actuellement, ta foi est dérangée par des préoccupations, n'est-ce pas? Ta foi actuellement est dérangée. Tu as une foi agitée actuellement à cause de la maladie de ton frère, à cause de la maladie de ta soeur, à cause de ta propre maladie. Regarde, actuellement ta foi est perturbée parce que tes finances ne vont pas bon train. Comme tu n'as plus assez d'argent, ta foi est perturbée. Il y a des gens comme ça. Quand il n'a pas l'argent, la foi faillit. Quand il a l'argent, la foi renaît. Or, il ne faudrait pas que ta foi dépende de matériel ou de toutes ces choses. La foi d'un chrétien doit dépendre de la parole de Dieu. Car c'est d'elle que la foi viendra. Alors moi, je vais prier maintenant pour que Dieu t'aide à renouveler ta foi. Il faut que ta foi monte. Bien-aimé, lorsque nous nous préoccupons trop pour les choses de la vie, lorsque nous encombrons des soucis des choses de ce monde, nous détruisons la foi. Nous détruisons notre foi. C'est pourquoi jeudi, ne manquez pas. Jeudi à 15h30, ne manquez pas. Je vais te dire des choses qui vont te bénir dans la foi. Le jeudi, pendant le direct, il y aura une onction qui va guérir ta foi, qui va restaurer ta foi. Vous savez, quand on se préoccupe trop de choses de la vie, sans se rendre compte, on est en train de perdre la foi petit à petit. C'est pourquoi la Bible déclare que les œuvres de la chair sont contraires aux œuvres de l'esprit. Et les œuvres de la chair combattent toujours les œuvres de l'esprit. Le souci de la vie combatte toujours la foi. Quand on veut trop se préoccuper de quoi je serai vêtu demain, qu'est-ce que je mangerai demain, comment je voyagerai, comment je paierai mon loyer, comment. Toutes ces préoccupations-là qui te poussent à te poser des questions et à poser des questions à Dieu. Comment. Quand tu es trop dans le comment, tu vas manquer le miracle de Dieu. Tu vas perdre la foi. Je vais dire à quelqu'un, abandonne-toi entre les mains de Dieu. Laisse-toi comme un enfant entre les mains de sa maman. Laisse-toi comme un enfant entre les mains de Jésus-Christ. Qu'il fasse de toi ce qu'il veut. Mais ce qui est sûr, tout ce que Dieu fait est bon. Personne ne s'est confié au Seigneur et est resté confondu. Alors ce n'est pas toi qui seras confondu en t'abandonnant en lui. Sors de tes préoccupations. Sors de tes soucis de la vie. Tu deviens trop charnel. Tu n'as même plus le temps de prier, le temps de méditer la parole. Tu n'as même plus le temps de se concentrer pour les choses de Dieu parce que tu te poses toujours des questions. Comment je vais m'habiller? Comment je vais manger? Comment je vais payer mon loyer?
Comment? Tous les comment là, c'est ce qui détruisent ta foi. Alors prie avec moi. Si vous êtes nombreux, mettez vos doigts sur l'écran par rapport à vos familles, par rapport à vos regroupements. Je vais prier. Seigneur très saint, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, voici tous ces hommes et femmes qui se sont accordés avec moi dans la prière pendant ces directs. Seigneur, tout ce que nous voulons te demander, c'est d'augmenter la foi dans le cœur de chacun. Jésus, tu as dit dans ta parole que le juste vivra par la foi. Nous voulons vivre, Seigneur. Et nous avons compris que la vie vient de la foi. La vie ne vient pas de matériel, la vie ne vient pas de l'argent. Car plusieurs ont eu le matériel, ont eu l'argent, mais ils sont morts, ils ont laissé ces choses, ils sont enterrés aujourd'hui. Nous, nous croyons, Seigneur, que la vie viendra par la foi. Alors nous te demandons, Jésus, d'augmenter notre foi. Accorde-nous la foi. Une foi qui te plaira et une foi qui nous laissera toujours en accord avec toi, Jésus. Touche le cœur de mon frère, touche le cœur de ma sœur, restaure leur foi. Nous voulons que nos foies, Seigneur, prennent encore de l'épaisseur, que nos foies grandissent et grossissent encore, parce que nous voulons marcher avec toi et voir de grandes choses avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous bénis. Par la foi, soyez guéris. Par la foi, soyez protégés. Par la foi, vivez dans la bénédiction. Par la foi, recevez des réponses à vos préoccupations. Et par la foi, soyez heureux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Voilà. On acclame très fort. Pendant ces directs d'aujourd'hui, j'ai cloué l'incrédulité. Je me suis attaqué à l'incrédulité. Et j'ai travaillé votre foi. J'ai voulu élever votre foi. Parce que tous ceux qui ont marché avec Dieu par la foi, ils ont vu de grandes choses. Tu seras un héros, l'histoire parlera de toi, si seulement si, pendant ta vie sur terre, tu resteras accroché à la foi. Quand on meurt dans la foi chrétienne, même après sa mort, l'histoire parlera de toi. Tes enfants, tes petits-enfants parleront de toi. Mais quand on meurt en dehors de la foi, on sera déshonoré. Et l'histoire t'oubliera. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez nous rejoindre sur notre numéro WhatsApp. Prenez notre numéro WhatsApp. C'est le +242 05 018 53 05 à la fin. Je vais demander à un de mes amis qui me suivent là d'écrire dans les commentaires. Écrivez ces numéros. +242 05 018 53 05 à la fin. Je reprends. +242 05 018 53 05 à la fin. Ça, c'est notre numéro WhatsApp. Et cette vidéo et toutes les vidéos des directs que vous avez suivies, si vous voulez la voir, c'est facile. Allez sur notre compte YouTube. Vous tapez sur le compte YouTube Bishop Désiré Mansenga. Quand vous allez dans notre compte YouTube, vous tapez Bishop Désiré Mansenga, vous trouverez toutes les vidéos des anciens directs. Toutes les vidéos des anciens directs qu'on a fait pendant ces moments de confinement, nous l'avons logé avec les titres et les dates dans notre chaîne YouTube. Vous tapez dans YouTube, vous tapez Bishop Désiré Mansenga et le Seigneur vous bénira abondamment. Alors, écrivez-nous vos préoccupations. Appelez-nous, on va discuter, on va échanger, on va prier. Pourquoi pas vous suivre et Dieu vous bénira. Alors, je vous dis merci et nous allons nous revoir jeudi à 15h30. Mais d'ici jeudi à 15h30, portez-vous bien, prenez soin de vous et prenez soin de tous ceux qui sont chers à vous. Merci beaucoup et bye bye.